Merci, M. le Président. C'est une journée importante où on peut enfin prendre la parole sur un sujet qui, malheureusement, a jusqu'ici trop souvent été gardé en catimini par nos chers amis d'en face. On parle ici de la plus importante offre d'achat étrangère par une société appartenant à un État dans l'histoire du Canada et la première d'une série probable d'acquisitions majeures similaires, ce qui est encore plus préoccupant. Je ne suis pas un spécialiste des questions énergétiques. Je suis le député de Longueuil-Pierre Boucher et les gens de Longueuil-Pierre Boucher sont préoccupés par ça, tout comme les Canadiens d'ailleurs. Moi, quand je vois un sondage qui apparaît et qui dit que 68 % des gens qui soutiennent normalement le Parti conservateur rejettent cette entente-là, quand 72 % évidemment des gens du NPD le rejettent et 73 % des libéraux la rejettent, ça prend vraiment une autruche pour se cacher la tête dans le sable comme ça, puis dire « Non, non, c'est correct, pensez-vous qu'on va vous laisser passer sans rien faire? » C'est une vraie joke. Je veux dire, vraiment, là-dessus, c'est d'une irresponsabilité totale, et je me demande ce qui peut bien motiver le gouvernement à avoir cette attitude. Est-ce que c'est sa courte vue habituelle? Est-ce que c'est une vision de profit rapide? Est-ce qu'ils sont au service de petits amis de la grosse business? Est-ce que toutes ces réponses sont bonnes? J'en ai bien l'impression. Les sables pétrolifères, c'est évidemment un sujet qu'on se doit de connaître, de maîtriser. C'est une richesse précieuse qu'ont les Albertains. Et cette dimension-là, cette dimension cruciale dans l'économie d'aujourd'hui, doit être adressée et certainement pas à la légère dans un petit club privé en arrière. La plupart des gens de ma circonscription, évidemment, déplorent qu'on soit si dépendant de ces énergies-là. C'est une situation qui n'est pas propre à nous, qui est propre à tout le monde sur la planète. On doit développer des énergies alternatives, mais cette énergie qu'on a, cette ressource qu'on a, on doit la ménager, on doit l'utiliser à son plein escient, on doit faire des jobs pour les Canadiens. Et justement, quand on voit des sondages pareils, moi, je trouve ça absolument renversant de voir que, par exemple, dans le sondage d'Abacus qui dit que est-ce que les gens sont d'accord que des compagnies chinoises achètent des compagnies de ressources naturelles canadiennes? Hey, ça n'a pas de bon sens. 73 % est inconfortable. Puis eux autres, ils veulent nous passer ça comme une boîte de chocolat en dessous de la porte. Voyons donc. Alors, les Canadiens, de toute évidence, veulent en parler. Et c'est ce à quoi précisément doit servir cette Chambre. On est un Parlement, un endroit où on doit parlementer. Donc, la motion d'aujourd'hui, que je vais vous relire, évidemment, que de l'avis de la Chambre, le gouvernement ne devrait pas prendre de décision concernant le projet d'acquisition de Nexen par Sinoc sans d'abord procéder à des consultations publiques approfondies. B, devrait immédiatement organiser des audiences publiques transparentes et accessibles au sujet de la propriété étrangère dans le secteur canadien de l'énergie, en se concentrant particulièrement sur le rôle des sociétés d'État étrangères. Et C, devra respecter la promesse qu'il a faite en 2010 de clarifier dans la législation le concept de l'avantage net contenu dans la loi sur investissement Canada. Alors, n'en déplaise à mes voisins d'en face qui veulent tout décider derrière ces portes closes, il faut qu'on en parle. Et je vous demande ici, de quel droit pouvez-vous même donner l'impression que vous avez eu un mandat de faire bouger les choses, que vous n'avez pas le temps de parler? C'est une honte à notre démocratie, ce genre d'attitude-là. Et je me demande bien sûr si vous n'avez pas, encore une fois, arrivé comme vous l'avez fait si souvent, en travaillant tout seul, en disant « Nous, on s'organise, on a des bodies, ils connaissent ça, vous autres, êtes juste des sociodémocrates, vous intéressez à péter des nuages. » C'est pas vrai, ça. C'est fini, cette espèce de mythologie-là que vous cherchez à nous mettre sur la tête constamment. Alors, quand ces gens-là négocient une série d'ententes dans le secret, c'est problématique, mais c'est encore plus grave quand il s'agit d'histoires aussi importantes que nos ressources naturelles. On nous commet sur des avions de chasse qu'on va payer pendant des décennies. C'est un très gros problème, évidemment, parce que votre légèreté dans ce dossier-là fait qu'on va se retrouver avec une facture que tout le monde ordinaire va payer pour vos mauvais choix. Mais ici, on parle de nos ressources. C'est stratégique, c'est majeur. Et ici, si le gouvernement daignait voir la réalité des Canadiens, des Québécois, de la Montérégie, des gens de Longueuil, et je descends jusqu'ici, jusqu'à les gens sur ma rue, bien, ils auraient honte de voir à quel point ils sont déconnectés de la réalité. Ils ne voient pas ces 300 000 nouveaux chômeurs qu'on a depuis le crash. Ils ne voient pas non plus ce genre de révolte qui s'anime chez les gens qui se disent « Ça n'a pas de bon sens. D'où arrive ce gouvernement avec cette attitude de décider tout sans consulter? » La question est là. Transparence. Avez-vous une attitude transparente ou pas dans le dossier? C'est clair que non. Et c'est ce que nous déplorons. On va arrêter de dire
que vous ne voyez pas. Quand on dit, ah, les conservateurs ne voient pas. Ils voient pas, c'est pas qu'ils ne voient pas. Ce n'est pas une erreur. Ils ne le voient pas partout, ils ne veulent pas le voir. Ce gouvernement fonce tête baissée, comme un cyclope qui ne voit rien d'autre que la cible que ses grands conseillers pétroliers lui ont programmée dans la tête. Ouvrir la porte à ce genre de takeover, c'est commencer à donner la destinée de l'exploitation de cette richesse naturelle albertaine à des étrangers. Alors que le transport de cette ressource ne fait même pas consensus, alors que des décisions sur l'augmentation des jobs en transformation sont toujours en débat, parce qu'on est dans un Parlement, je vous le rappelle, ben voilà que ce gouvernement se permet de faire plaisir à du monde, à des intérêts très précis. Et les sondages sont énormes. Très clairement, tout le monde est inquiet par cette transaction-là. Avec cette transaction-là, quelques étrangers seront à la grande table pour négocier. C'est le gouvernement chinois qui va venir mettre tout son poids pour dire aux Albertains que tout est beau de même, qu'ils vont dire aux Canadiens qu'on peut continuer à envoyer nos ressources brutes sans valeur ajoutée au profit des autres pays. En 2010, à la suite du rejet de l'acquisition proposée de Potash Corp, le ministre de l'Industrie de l'époque, Tony Conte, donc je sais pas, vous savez très bien de qui je parle, malgré les rappels répétés provenant du secteur des affaires que la société civile, les conservateurs, n'ont pas donné suite à cette promesse de réformer la loi. Y a-t-il quelque part, j'ai bien fait attention de ne pas nommer l'individu, y a-t-il quelque part un club de businessmen et de women, il faut le dire aussi, parce que beaucoup d'anciens conseillers du premier ministre qui sont présents dans ce gros deal, qui se sont dit « Hey, on pèse sur le gaz, on va faire la grosse pièce pendant qu'il est encore temps. » En 2010, le gouvernement conservateur a unanimement appuyé une motion du NPD exigeant des audiences publiques obligatoires impliquant les communautés affectées par une transaction en examen ainsi que la divulgation publique de toutes les conditions attachées à l'approbation d'une acquisition. La motion demandait également que la loi prévoie des sanctions en cas de non-respect des conditions rattachées à une transaction. Les conservateurs ont-ils donné suite à cette promesse? Évidemment non. En faisant l'acquisition de Nexen, le CNOOC deviendrait membre de la COSIA. D'autres entreprises ont fait part de leurs préoccupations à cet égard. Même le SCRS a également émis un avertissement lorsque des entreprises étrangères possédant des liens avec des agences de renseignement étrangères ou des gouvernements hostiles tentent d'accroître leur contrôle au sein des secteurs stratégiques de l'économie canadienne. Cela peut représenter une menace pour les intérêts sécuritaires du Canada. Les entités étrangères peuvent aussi bien tirer avantage de ce contrôle pour faciliter les transferts illégaux de technologie ou encore prendre part à d'autres activités d'espionnage ou d'interférence étrangère. Tout le monde connaît l'ampleur des ambitions de la Chine. J'y étais en 2009 à Shanghai et à Beijing. La demande en énergie depuis s'est multipliée. Ces milliards d'individus voudront accéder à un niveau de vie confortable et on les comprend. La Chine est au cœur de tous les développements mondiaux, et tout comme l'Inde, mais tous les Canadiens veulent leur vendre des produits. On veut vendre des produits. On ne veut pas leur vendre notre pays, on ne veut pas leur vendre notre âme, on veut leur vendre des produits. Dans Longueuil et Pierre Boucher, les gens sont conscients qu'il faut créer de la richesse pour pouvoir la partager. Et c'est pour bon nombre de fournisseurs de grands projets comme les sables pétrolifères, où le plan Nord sont de réelles opportunités d'affaires, il n'en demeure pas moins que la ressource même appartient aux citoyens. Bien sûr, les flottes de camions sont contentes qu'on exploite ces ressources. Les autobus aussi, on les transporte, bien que les compagnies d'aviation sont en expansion. Elles transportent et traversent, sont contents. Mais bien sûr, ces fournisseurs sont liés à ces grands chantiers et créent de l'emploi, paient des impôts. Mais la ressource appartient aux provinces. Les ingénieurs canadiens aimeraient bien élaborer des plans pour la transformation de ces ressources pour qu'elles se fassent au Canada. Mais si au conseil d'administration, il y a littéralement le gouvernement chinois, on peut-tu se dire que ça va être plus difficile de faire valoir nos intérêts? Il y a eu une entente qui s'appelle l'APIE, qui habiliterait la CNOOC à passer outre les tribunaux canadiens pour réclamer les dommages et intérêts au gouvernement afin de couvrir des soi-disant pertes actuelles ou à venir, conformément à un processus d'arbitrage. Et ça va se tenir à huis clos. Ça avec, c'est un énorme problème. Alors, vous me dites, Monsieur le Président, ici que j'ai seulement qu'une minute. Je vous dirais que nous, au Nouveau Parti démocratique, on est favorable des accords commerciaux et d'investissements qui favorisent les intérêts du Canada et en font la promotion. On veut des jobs ici, au Canada, pour tous les Canadiens, dans tous les secteurs. Est-ce que les intérêts canadiens ont été sacrifiés pour garantir cet accord? C'est ça la grosse question. Les observateurs ont remarqué que les avantages de cette entente, l'API, que procure, sont asymétriques et sont en faveur de la Chine, pas du Canada. L'API Canada-Chine que préconise le gouvernement ici est en fait un grand pas en arrière comparativement aux accords similaires signés par le Canada. Contrairement aux autres accords,
Celui-ci n'exige que l'arbitrage des différends se fasse d'une manière transparente et ouverte au public et aux médias. Il est important qu'on en parle. Je suis heureux qu'on passe la journée à jaser de ça, messieurs et mesdames. Questions and comments? The honourable member for Winnipeg North. Mr. Speaker, I'm wondering if the member might provide some additional comment in regards to how CSIS has actually been brought into the whole debate now, primarily because of concerns regarding security of national interest, if I can put it in that fashion, and would ask the member whether or not he would agree with us by saying that this in itself is just reason as to why it is so very important that this whole process and this particular takeover or foreign investment needs to be reviewed in a very public and transparent way, because it's in Canada's best interest to make sure that that takes place. L'honorable député de Longueuil, Pierre Boucher. Merci, M. le Président. Merci. Je remercie mon collègue pour sa question. En effet, la question de la sécurité nationale, ça ne prend pas la tête à Papineau. Ah, encore un nom propre, je m'excuse. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est un enjeu ici. On ne peut pas imaginer faire affaire avec des compagnies pareilles, avec une propriété pareille, et pas se soucier de leur intérêt profond. Il faut se rappeler là, l'ampleur de la population là-bas, l'ampleur de cette ambition qui les anime. Puis c'est légitime pour eux, mais on peut pas non plus, c'est comme si dire aux gens, ah ben oui, servez-vous, puis hey, la clé de la combinaison du coffre-fort, c'est ça, man. T'sais, voyons donc. Question et commentaire, l'honorable député de Sherbrooke. Monsieur le Président, alors je suis heureux de pouvoir poser une question à mon collègue de Longueuil, Pierre Boucher, qui a toujours des discours très éloquents et colorés, j'aime ça comme ça. Donc, je vais y aller enchaîner avec ma question tout de suite pour ne pas perdre de temps. J'ai l'impression que le processus n'est pas très clair, et puis je me demandais si il pensait comme moi. Il a parlé un peu de sondage tantôt dans son discours. Est-ce qu'il pensait comme moi que les conservateurs prennent plus des décisions selon la résistance et qu'il n'y a pas de processus clair qu'on peut savoir avant même qu'une situation arrive? Et là, on dirait que les décisions sont prises selon le niveau de résistance de la population canadienne, et que dans le fond, leur seul but, c'est un peu plus électoraliste que de vraiment servir les intérêts des Canadiens. Et s'ils pensent comme moi qu'on aurait plutôt instauré un processus très, très précis et clair pour d'autres occasions dans le futur où ça va se présenter. L'honorable député de Longueuil, Pierre Boucher. Je remercie mon collègue pour sa question. Effectivement, établir un processus clair basé sur la base même. C'est un petit peu plus anasmique. Basé sur le fait que nous sommes là pour veiller aux meilleurs intérêts des Canadiens. Et clairement, actuellement, les sondages démontrent que tout le monde est inquiet. Puis eux autres, ils procèdent comme un camion fou qui n'a pas de briques. C'est ça la question. Questions and comments. The honourable member for Newton North Delta. Sorry, Norton, Mr. Speaker. Thank you. That was a wonderful speech, very passionate, Mr. Speaker. Businesses require a stable investment climate. And, you know, Conservatives had 6 years to provide that stable environment for business to invest. They have chosen to take a path which is secretive and unaccountable. And this House passed a motion a couple of years ago that required the Conservatives to look at having a transparent and accountable net benefit for Canada. They haven't provided that. So, you know, considering the current environment that the Conservatives have created, it leads to businesses not wanting to invest because the process itself is not clear and it's not transparent. Would the member agree with that statement? My apologies to the member from Surrey North. L'honorable député de Longueuil, Pierre Boucher. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue de Surrey North pour sa question. Et évidemment, aujourd'hui, dans cette situation économique dans laquelle on est, il y a beaucoup d'argent, des capitaux qui dorment, qui justement, beaucoup de compagnies cherchent, qui se demandent s'ils devraient investir ou pas. C'est certainement pas avec ce genre d'attitude, alors que de toute évidence, le gouvernement fait fi des intérêts et des questionnements de tous. Les sondages le démontrent, on le sait tous, et on le déplore naturellement. C'est juste qu'il faudrait surtout pas s'habituer à ne plus s'insurger du manque de transparence des gens d'en face. Il ne faut pas s'habituer, il faut le décrier, il faut parler. On est ici pour avoir un processus transparent, s'il vous plaît.